vraiment sa vérité. Si aujourd'hui, après des semaines de turbulences, des manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes devant lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité, chacun dans ce pays le sait, pourquoi j'avais toujours mis en garde. Dit que on met dans la rue, on ne sait jamais ce qui peut en résulter. Le bien ou le pire, hélas, le pire en a résulté. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix d'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi? Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment, et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Qu'Allah aide et bénisse le Mali. Je n'éprouve aucune haine vis-à-vis de personne. Mon amour pour mon pays ne me le permet pas.